C'est parti, le Cheops Sunride. Alors, on le filme à la GoPro. Et j'ai vraiment plus de voix là. Regardez. Là, vous voyez, c'est la taille de mes cordes vocales en ce moment. Je n'ai plus de voix. Donc, je filme à la GoPro. Parce que comme ça, je risque pas de me prendre une vitre. Je risque pas de casser mon appareil photo. Et en plus, la vidéo rend beaucoup mieux, je trouve. Et là, je peux être tranquille. Tu pourras te permettre de prendre du risque. Alors là, en vrai, je le fais lentement. Parce que je suis fatigué. Et là, on a le Ghost Train. Alors tu vois, je le fais main dans les poches. Là, je suis tranquille. Parce que je suis fatigué. Il est 23h et je suis fatigué. En fait, on vient de rider. Hey, attends. Excusez, j'ai plus trop de voix. On vient de rider l'inversion 360 là. Et je suis un peu mort. Il m'a rien fait au début. Mais là, je me sens crevé parce que je viens de rider l'inversion. N'est-ce pas, Clément, toi aussi, t'as rider l'inversion? Oui, bah oui, on l'a fait. Hein. C'est toujours une très très bonne machine, assez intense. On a même, sur la dernière partie, ressenti des très très bons jets là, positivement. Ouais, genre, vous voyez là, les gars musclés là, quand ils ont levé là, on appelle ça les muscles, les obliques. Mais en fait, j'ai ressenti les jets là, au niveau des obliques. Voilà. Mais c'est bizarre que j'ai ressenti léger au niveau des obliques. Bon, les traits de bavardage, on va chercher là. Ça veut dire qu'il était particulièrement dans ce coin. Ouais. C'est déjà c'est une impasse. Les vitres sont super propres, j'y vois rien du tout. Hein, ça c'est le chemin. Hein. Ça c'est le chemin pour ressortir ça. Ah non, c'est une impasse. Mais là, je triche parce que là, faut pas que je regarde le sol, il faut que je regarde en l'air. Bon, là, c'est ça tourne en rond, là. C'est par là. Là, on est pas mal, hein. On l'a fait il y a pas longtemps, donc on devrait s'en souvenir. Attends, regarde, j'ai trouvé un raccourci. Ah ben non, merde. J'essaie de le faire plus vite. Ah, il faut continuer. Il faut aller vers le fond, en fait. Vraiment aller vers le fond. Ah, y a moyen là, y a moyen de les rattraper là. Ah non, je les ai pas. J'essaie de les rattraper direct. Hé, je rattrape Clément. Oh putain, il s'est pris une vitre. Et je l'ai filmé en plus. Attendez, on va le voir. On va retrouver Clément. Je viens de se prendre une vitre. Rentre un peu. Attends, mais. Bon, attends, rentre. Alors là, vous avez une petite. Vas-y, regarde-moi. Non, non, il a rien du tout en fait. Tout va bien. Et mais il s'est pris une vitre. Alors, Clément, ça fait quoi de s'être pris une vitre? Ça brise le moral. Allez, on continue. Attends, laisse-moi, c'est moi devant, c'est moi devant. Elle te reprend pas la même vitre, t'as failli recommencer. Ah ouais, chaud. Là, on passe par là. Moi, je me souviens la première fois que je l'ai fait à Bordeaux. J'ai mis des plombes, j'étais perdu. Et en fait, pardon pour le manteau. Et en fait, la technique, c'est de passer par le fond. Et quasiment tous les labyrinthes sont comme ça. Alors ça, oh putain, d'accord. Ah, ils ont tout renversé là. Ils ont tout renversé. Petite étoile de mer. Ah mais là, ils ont vraiment fait l'étoile de mer là. Ah, la sortie, c'est pas là. Regardez là, je passe comme ça. Hop là. Oh putain, j'ai failli prendre la vitre là. Ah, il y en a un qui s'est pris la vitre là. Ah, là, c'est pas mal là. Comme on dit, moi, je fais la vitre. Allez,
Voilà, c'est le Khéops.